Depuis que j'ai commencé le journal filmé, chaque année, mi-juillet, je fais ce même plan du pont de Saint-Nazaire. Je pourrais les réunir pour former un seul et même épisode qui ne serait plus régi par la loi du temps mais par celle du lieu. En suivant ce principe, je pourrais réécrire l'ensemble du journal filmé depuis le début, depuis les premières images du marais de Grandlieu. Débarrassé de la contrainte temporelle, le récit de mon existence ferait apparaître une toute autre histoire dont je n'ai pas la moindre idée puisqu'elle n'existe pas, puisque seul le montage peut la faire apparaître. Ne jamais oublier que le journal filmé est une fiction. Sur lequel j'aimerais que nous nous attardions un peu, parce que je pense que c'est un livre important dans ton chemin, puis en soi. Et puis, il y a tout un travail de traduction qu'on va évoquer aussi, notamment cette traduction à 80 aussi avec Thierry Gilibock. Arnaud était actif dans le mouvement La Nuit Debout, puis les Gilets jaunes, etc. Là aussi, on rentrera dans les détails, et on verra quelle est la particularité de l'engagement des uns, de l'un et de l'autre, de chaque côté de l'Atlantique, et dans quelle mesure la poétique même des écrivains peut avoir un rôle spécifique que n'ont pas tous ceux qui peuvent intervenir dans le champ politique. Pour que d'un coup, le soir du 31 mars, tout devienne possible, c'était d'ici, de cette alluminée froide, que nous recommencerons à agir ensemble. Nous repartons de rien, un simple quadrilatère ouvert entre des immeubles. Et de là, nous verrons si quelque chose comme une capacité d'action collective peut être reconstruite. Nous ne manifesterons jamais aussi bien l'inanité de ceux qui prétendent prendre des décisions à notre place qu'en construisant un collectif alternatif et parallèle. Un seul et même processus destituant et constituant. Voilà l'enjeu des Nuits Debout. N'importe qui peut y venir, évidemment, pas de mandat, pas de titre, pas de diplôme. La place est un espace générique où peut s'exercer l'égale capacité de tous. Chacun, auprès de sa disponibilité, de son désir, peut s'y arrêter, participer à tel ou tel segment du processus collectif, partir, revenir. La place est un espace d'initiative. Pas de programme, pas de structure, tout se décide sur la place. Les structures naissent progressivement, comme de fines cristallisations à la surface d'une eau agitée. Pas de centre, mais un milieu, autant signe de convergence de nos lignes diverses, environnement concret où nous éprouvons ce qu'on peut ensemble. Il faut venir pour sentir ce que peut enfin retrouver l'immédiateté du politique. Il faut venir pour voir ces assemblées générales constituées d'une foule assise qui ne cesse de s'étendre à mesure que la nuit s'avance. Chaque bord extérieur du cercle formé de gens debout qui s'assoient à leur tour, l'horizon littéralement se dégageant. Il faut venir pour voir ces actions se décider et se mettre en œuvre d'un coup, en plein milieu de l'Assemblée, comme si la place était un étrange corps dont se détachait de temps à autre des organes actifs. Que quelqu'un prenne la parole pour signaler une expulsion en cours, notamment par exemple à Stalingrad, et voici que 50 ou 100 personnes se lèvent pour aller porter secours. Que des réfugiés prennent le micro pour signaler certaines difficultés et 10 ou 80 personnes se mettent à l'écart pour résoudre une partie du problème. On signale des lycéens en garde à vue et 100 personnes se lèvent pour aller manifester devant le commissariat où ils sont retenus. D'autres décident en atelier de poser les bases de ce que pourrait être un nouveau texte constituant. Ils se retrouveront demain et après-demain et encore après-demain. Une nouvelle fois le pont de Saint-Nazaire sur la route du retour, je ne pouvais pas me douter que l'année suivante, en 2020, la grande pandémie nous privera de ce rendez-vous estival.
comme de beaucoup d'autres choses encore. Vertige soudain de réaliser que nous vivons au jour le jour, sans rien savoir de notre avenir, que tout peut s'arrêter à tout moment.